Donc, monsieur le conseiller général, monsieur le président de la communauté de communes du Sud-Nivernais, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette première cérémonie des vœux. Je ne pensais pas avoir autant de monde ce soir, mais je m'en réjouis. Le conseil municipal et moi-même avons souhaité pour cette première cérémonie des vœux associer l'ensemble de la population cercicoise et également les nouveaux habitants et commerçants de Cercy-la-Tour, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous ont fait donc la joie de choisir Cercy-la-Tour pour habiter et pour travailler. L'entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et où s'expriment les projets et les vœux. C'est l'occasion de faire un bilan des 9 mois écoulés. Je vais vous exposer et vous rendre compte ce soir de notre méthode de travail que nous avons souhaité mettre en œuvre en l'état d'avancement et l'état d'avancement des réalisations et des projets municipaux. Pour résumer en peu de mots le cœur de l'action municipale, je dirais que nous avons l'ambition de construire ensemble et pour tous. C'est un long chemin, passionnant mais difficile. Vous le savez, nous évoluons dans un contexte économique global de crise et une raréfaction des aides publiques, avec une baisse annoncée de 30% des dotations de l'État. Pour information, pour 2015, moins 45 000 euros. Pour 2016, moins 77 000 euros. Pour 2017, moins 110 000 euros de dotations d'État. Une autre contrainte forte provient de la réalité des finances communales. Permettez-moi de rappeler ce soir qu'en prenant nos responsabilités, nous avons trouvé une situation financière marquée par un fort endettement de notre commune. C'est une réalité. Nous devons en tenir compte et notre politique est claire. Il s'agit de redresser les comptes communaux en réduisant la dette et en maîtrisant l'évolution de la fiscalité. Quant au projet politique que nous souhaitons mettre en œuvre, il repose sur des valeurs et des convictions. Il s'agit sur des valeurs et des convictions qui se traduisent au quotidien par une méthode et des actions. D'abord, quelques mots sur une méthode juste. Le travail de fond est l'expression d'un projet municipal concerté et cohérent sur le terrain. Je souhaite souligner ce soir combien notre équipe d'élus a su prendre des décisions nécessaires pour le bien de Cercy-la-Tour. C'est un vrai travail d'équipe. Mes adjoints sont investis dans une délégation. Cette délégation repose sur la confiance. Elle donne à chaque adjoint les moyens de mener à bien les projets qui relèvent de leurs compétences. La délégation permet de répondre à la nécessité de service, à la nécessité de continuité du service public. J'adresse ici mes remerciements aux conseillers municipaux et aux adjoints pour leur loyauté et leur engagement. La méthode, c'est la concertation et le dialogue, qui s'exprime notamment lors des réunions de quartier. Je souhaite illustrer ce propos en soulignant que nous avons réuni l'équipe municipale en décembre pour faire le bilan fort intéressant de ces réunions de quartier. D'ailleurs, des retours ont déjà été faits. Par exemple, le changement de l'arrêt de bus au guidon, le nettoyage du lavoir route de Côte, le nettoyage du petit lavoir route des Fontaines Noires, les guides route des petites brunettes. Le Cercicois sera aussi un relais. Le Cercicois, vous l'avez reçu derrière moi. Si des personnes ne l'ont pas, on en a à votre disposition. C'est le nouveau mode de liaison que nous avons souhaité mettre en place. Il sera là pour vous donner le plus d'informations de ce que nous faisons, et aussi c'est un bulletin trimestriel qui permettra de mettre en avant les différentes associations cercicoises en fonction de leurs activités. Le tissu local est un atout formidable pour notre ville. Chaque commerçant, chaque artisan, chaque chef d'entreprise, chaque représentant des professions libérales, chaque agriculteur est un acteur important du développement. Nous avons souhaité, non sans mal, que la fibre optique soit installée avant la fin de l'année. C'est une chose faite. La fibre optique va permettre d'une part à l'entreprise Cassier de développer une partie de son activité. Et elle nous permettra également
à terme, de proposer à des entreprises qui le souhaitent de pouvoir en bénéficier. C'est pourquoi nous avons souhaité aussi modifier le tracé en le faisant passer par la rue. Ce chantier peut et doit permettre à Sacy de rentrer dans un nombre restreint de communes rurales équipées de cette nouvelle technologie. Ce dialogue et cette concertation concernent aussi nos associations. Nous avons la chance, à Sacy-la-Tour, d'avoir un tissu associatif très implanté. De mémoire, une bonne trentaine d'associations, voire même plus. Aujourd'hui, nos associations sont écoutées, associées, puisque nous faisons participer des représentants des associations à nos décisions dans le cadre de nos réunions de travail. Nous soutenons bien sûr toutes les associations locales, puisque dès notre arrivée, nous avons souhaité la gratuité de l'ensemble des salles municipales, le centre culturel, le foyer. Nous l'avions annoncé dans la profession de foi. Vous êtes nombreux ce soir, et je tiens à vous en remercier publiquement de votre aide et de votre soutien. Représentants des administrations, des entreprises, des commerces, des associations, des autorités de gendarmerie, des pompiers, des cultes, vous êtes la force vive de notre ville. Vous êtes partie prenante de l'action du renouveau que nous conduisons pour Sacy-la-Tour et pour les habitants. Sans vous tous, rien ne serait possible. Avec vous, le nouveau visage de notre ville se dévoile jour après jour. Cette ville, nous la voulons pour nous tous, au service de tous. Après avoir évoqué notre méthode de travail, je souhaite vous parler des réalisations, des projets et des nouveaux services mis en place. Nous avons souhaité, lorsque nous sommes arrivés, faire un point financier afin de connaître les finances de notre commune. Vous avez d'ailleurs été informé par le biais de l'ancienne gazette que notre commune est en déclin. Je ne reviendrai pas dessus. Néanmoins, nous serons très vigilants quant à nos futures dépenses. Nous avons également rencontré l'ensemble du personnel communal pour d'une part les écouter et d'autre part pour leur donner nos orientations. Trois conseillers municipaux ont la chance de les orienter dans leur travail, deux conseillers au niveau de l'entretien et une au niveau du fleurissement. Quand je dis orienter, ce que nous souhaitons, c'est une participation de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que le personnel communal, qui est encadré pour les services techniques par un responsable, connaît notre ville, il sait ce qu'il doit faire, et c'est ce que nous avons souhaité mettre en avant. Un grand merci également à Mme Bruet-Claude, la secrétaire générale, qui a su nous faire découvrir le métier des élus. Je tenais donc à remercier aujourd'hui les 25 agents communaux pour leur collaboration pleine et entière depuis les 9 mois écoulés avec nous. On pourra remarquer que Sacy-la-Tour évolue avec la création d'une place aux roses à proximité de la croix, une rénovation de la place en face de l'entrée de Forestia où les membres étaient installés, le nettoyage d'une partie des abords du quai, le nettoyage des remparts, le passage de la balayeuse plus régulièrement, même si certains conseillers me disent que ça coûte cher. Ce que nous souhaitons, c'est que Sacy-la-Tour soit une ville propre et accueillante. Au niveau des bâtiments communaux, nous avons commencé à faire un état des lieux. L'extérieur du centre culturel a été repeint. L'intérieur, vous le remarquerez, est en cours de rénovation. Une association est d'ailleurs en réflexion pour intégrer une fresque qui pourrait être mise derrière moi. Des arbres ont été également coupés à proximité. Et nous avons aussi également doté en cette fin d'année d'une plonge fonctionnelle la cantine scolaire. Et nous avons également revu et vendu du matériel qui venait obsolète. Nous avons également repris l'audit énergétique. De petits travaux ont déjà été entrepris afin de diminuer les coûts. Baisse du chauffage dans les écoles pendant les vacances scolaires. Réduction de l'éclairage public. Même si pour certains, ça a grincé un petit peu le fait d'éteindre les lumières à 10h ou 1 minute. Pour l'instant, c'est un essai, on verra après en fonction des avancées. Ce dossier énergétique est donc un gros projet. Il sera couplé avec le dossier accessibilité qui sera obligatoire dès 2017.
D'ailleurs, les travaux débuteront par le centre culturel, puis la mairie, puis le gymnase. De gros travaux en perspective. La place à Livre ainsi que la fontaine Saint-Pierre ont vu leur rénovation terminée. Un marquage au sol a permis d'organiser le stationnement. Ensuite, plusieurs routes ont été rénovées dans le cadre d'un investissement annuel d'environ 130 000 euros. La rue Bourgogne, qui permet de mettre une touche finale au secteur de la place, avec la finition, la fin programmée de cette rue pour 2015. La rue de Couéron et le pont de Couéron, bien connu des habitants de Tay, a été repéré. Enfin, une partie des fontaines noires, très endommagée, a été restaurée. Alors, également le drainage et l'installation d'un système d'arrosage automatique sur le terrain de foot, pour un montant de 55 000 euros. Nous avons, dans la continuité, privilégié le nettoyage de l'ensemble du complexe sportif, ainsi, comme vous aurez pu le remarquer, les tuyaux devenus trop hauts ont été rabaissés à une hauteur raisonnable. Le projet Bassin est un projet que nous avions mis dans notre profession de foi il y a maintenant 14 ans. Comme quoi, on était déjà un peu précurseur il y a 14 ans. Et nous aurons la chance de le voir se concrétiser. Ce projet consiste en l'amélioration et l'embellissement du bassin, avec le passage de la véloroute vers les quais, l'agrandissement du syndicat d'initiative, la création d'une passerelle le long du bassin pour permettre aux visiteurs de se promener tranquillement au bord de l'eau. Une rénovation également sera faite sur les bords du canal, avec l'accès aux remparts qui ont été nettoyés par une association cercicoise. De l'autre côté du bassin, le camping sera mis aux normes avec la mise en place de 4 magasins, avec un accès direct à la piscine municipale. Le terrain de pétanque sera également réaménagé, mais il ne devrait pas changer de place. J'espère que ça reviendra, Président. Voilà. Pour information, je vais changer de place et être dans une zone inondable. Une guinguette devrait également voir le jour, ainsi qu'un mini-golf, afin de créer une base de loisirs. Des professionnels sont d'ailleurs intéressés pour mettre en place des activités nautiques dès cette année. Ce projet d'un montant de 2 300 000 euros a reçu un financement de 80% de la part de l'État, du FEDER et du CANAL. Les 20% restants, et donc là je regarde le vice-président en charge du développement économique, les 20% restants, soit environ 400 000 euros, seront donc à la charge de la communauté de communes entre Loire et Montauban. Puisque nous avons eu une réunion de travail il n'y a pas bien longtemps, et cette décision-là sera prise conjointement par le conseil municipal et le conseil communautaire la semaine prochaine. Donc je prends un petit peu d'avance, donc j'espère qu'on pourra signer. En théorie, oui. C'est bon. C'est donc un projet ambitieux pour notre ville. Je souhaite qu'il soit réussi pour les Cercicois et pour l'ensemble des touristes qui viennent visiter Cercy. Le cimetière a été voulu par la précédente équipe. Nous avons repris le dossier. Ce futur cimetière devrait être créé route de Moulins-Chevillon. Ce projet est de l'ordre de 265 000 euros, hors taxe. À l'heure actuelle, aucune aide ne nous est officiellement accordée. Donc nous avons, dans un premier temps, et pour éviter de travailler dans l'urgence, fait le point sur les places disponibles dans l'ancien système, dans l'ancien cimetière, pardon. Et je regarde notre ami Yves. Les places disponibles, donc on a fait un petit point, et les places disponibles peuvent nous permettre d'attendre encore quelques mois. Ce dossier est un dossier très important. Il faut explorer toutes les pistes pour trouver les meilleures solutions et surtout les moins coûteuses. Enfin, je terminerai sur ce dossier, celui qui concerne l'assainissement de Champlevoix. C'était une de nos propositions. Il devrait débuter au cours du premier semestre 2015. Les études, quant à elles, ont débuté en fin d'année 2014. Nous avons également organisé donc deux réunions avec l'ensemble de la population de Champlevoix, maintenant, la semaine dernière. Ils ont tous été conviés, la population de Champlevoix a été conviée pour qu'on puisse leur expliquer un petit peu comment allait fonctionner le nouvel assainissement. Donc ce projet consiste à raccorder les 56 maisons de Champlevoix à la station d'épuration de Cercy-la-Tour. Deux réunions, comme je disais, spécifiques ont été organisées en mairie. Ce projet, d'un montant de 410 000 euros, est financé en partie par le Conseil général et par une subvention DETR,
Le reste à la charge de la commune par un nouvel emprunt. En ce qui concerne les projets sur Cerf-la-Tour, autres que ceux portés par la commune, je mettrai bien sûr en évidence la restructuration complète de notre futur EHPAD, dont les travaux ont commencé il y a maintenant 2 mois. Ce projet, dont la municipalité participe financièrement à hauteur de 100 000 euros, aura un coût global de plus de 8 millions d'euros. Ce projet est nécessaire pour l'accueil dans de meilleures conditions de nos futurs résidents, ainsi que pour l'amélioration des conditions de travail des agents de l'établissement. Je rappelle que l'EHPAD emploie 50 personnes. En ce qui concerne Forestia, j'ai souhaité, avec Alain Deninger, rencontrer le directeur dès notre élection. Il m'est apparu nécessaire de rencontrer les plus grands employeurs de notre commune. À l'heure actuelle, l'entreprise emploie 200 salariés et 77 intérimaires. La situation pour l'année 2015 tente à rester stable. Un projet VHU sur ce site est en cours d'élaboration. Un comité de pilotage existe. Ce projet, qui pourrait garder quelques emplois, devrait débuter dans les prochains mois. Je tenais donc à vous donner toutes ces informations et pour conclure, vous dire que nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui a été d'ores et déjà réalisé et nous savons qu'il nous reste encore beaucoup de travail. Mais avant de conclure, je souhaiterais faire un dernier point, non pas sur la vie municipale, mais plus particulièrement sur la vie communautaire et intercommunautaire. Tout d'abord, les prochaines élections cantonales de mars prochain. Vous aurez à élire vos conseillers départementaux. Cercy et son canton vont perdre un peu de leur identité dans la mesure où le canton de Four, qui regroupait jusqu'à présent 11 communes, est rattaché au canton de Moulins-Gilbert et de Luzy. Nous ferons partie dorénavant du canton de Luzy, qui regroupera 32 communes. Donc, Michel, si tu veux intervenir plus tard, tu pourras peut-être en parler. Hein? À cela, il faut également savoir que le conseil communautaire, donc présidé par Georges Pereira, travaille sur un rapprochement possible avec les communautés de communes de proximité. Elles sont au nombre de 5. La communauté de communes du sud hivernais, de Decy. Je remercie M. Lebras d'être présent. La communauté de communes entre Noir et Forêt, la Machine. La communauté de communes du Sud-Morvan, Moulins-Gilbert, la communauté de communes du Bassois, Châtillon-Bassois, et la communauté de communes des portes du sud du Morvan, Luzy. Une décision du dernier conseil communautaire a d'ores et déjà acté un rapprochement de travail avec 2 communautés de communes, celle de Moulins-Gilbert ainsi que celle de Châtillon-Bassois. Ce rapprochement est voulu par le chef de l'État. Pour ma part, et pour ce point particulier, il m'est difficile de me transposer dans l'avenir, car pour le moment, aucun décret d'application nous indique et nous oriente sur les prochaines modalités de fonctionnement. Y aura-t-il un seuil en nombre d'habitants? 10 000 habitants? 15 000 habitants? Comment sera gérée cette grande communauté de communes qui pourrait rassembler 50 représentants? Comment seront prises les décisions? Quelles seront les orientations majeures? Le développement économique qui nous est cher à Cercy-la-Tour et que l'on souhaite voir évoluer. Le tourisme, la ruralité. Il y a plein de questions en suspens, mais je ne manquerai pas de vous en informer dans les prochains mois. Je disais donc en introduction, la situation économique globale de notre pays est difficile. Raison de plus de ne pas baisser les bras. Raison de plus d'aller de l'avant, de travailler sans relâche, pour préparer l'avenir de notre ville et celui de notre jeunesse. Avec vous, par le dialogue, nous poursuivrons le travail entrepris. Je tiens donc à remercier l'équipe municipale qui travaille avec moi depuis 10 mois, mes adjoints, les conseillers référents, l'ensemble des conseillers pour le travail effectué à mes côtés. Je remercie l'ensemble du personnel communal qui a compris notre mode de fonctionnement et qui œuvre à nos côtés. Je remercie chaque association sportive, culturelle, de loisirs ou caritative pour le travail accompli. Je remercie chaque bénévole qui s'applique avec passion au service de nos associations et de la ville. Je remercie chaque citoyen qui embellit et dynamise notre ville. Je remercie également la presse,
par l'intermédiaire de M. Bourgeois pour son implication pour diffuser les informations sur celle-ci. Je remercie l'ensemble de la population présente aujourd'hui et l'équipe municipale et moi, puisqu'on est là aussi pour ça, on est heureux de vous présenter des vœux d'harmonie et de partage pour l'année 2015. Bonne et heureuse année à vous. Je vous remercie de votre attention.